Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la magnifique chanson écrite par Michel Legrand, The Way He Makes Me Feel, sur les paroles d'Alan et de Marilyn Bergman en 1983. Cette merveilleuse chanson est extraite de la bande originale du film Yentl. Donc, il vous suffira de descendre votre clé de transposition, la key transpose, votre piano numérique de 4 demi-tons, soit deux tons pour être en harmonie avec mon guide et ce tutoriel harmonique. Alors, on va le faire ensemble. Attendez, regardez, vous voyez les deux repères verts. Enfin, il y a différentes. Ça dépend des pianos, hein. Le Do est donc neutre ici, donc nous sommes à zéro. N'est-ce pas? Et maintenant, nous allons descendre 1, 2, 3, 4. 4 demi-tons. N'est-ce pas? Voilà. Entendez? J'enlève la transposition. Je la remets. Et voilà. Donc naturellement, une fois que vous aurez appris la chanson, eh bien vous pourrez en changer directement votre clé de transposition dans la tonalité où vous serez confortable. Voilà, pour chanter. Donc je vous précise que la merveilleuse Barbara Streisand, elle chante un demi-ton au-dessus, soit qui transpose la clé de transposition à moins 3. Voilà. Trois demi-tons. Si vous avez la voix pour chanter avec elle, eh bien faites-vous plaisir. En attendant, je vous propose de passer à l'action avec l'introduction. Alors, nous allons avoir une succession au début d'harmonie, voilà, que j'ai où j'ai tout simplifié, comme tout le reste par ailleurs, ainsi que la tonalité générale pour que ce soit très accessible. Donc voilà, je vais vous montrer comment les choses vont se présenter. Alors premièrement, vous allez avoir plusieurs offres. Vous avez le guide hein, pour voir l'ensemble de la chanson hein, dans une autre vidéo qui est tout simplement intitulée Guide. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par un Ré mineur, ensuite on aura un Do majeur, on aura un Si bémol, on aura un La mineur, on aura un Sol mineur, on aura un Fa majeur, on aura un Mi mineur et un Ré mineur. Alors, si je prends les notes basses, mais ça par la basse, où on va suivre avec la main gauche. On va faire tout simplement Ré, Do, Si bémol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, n'est-ce pas? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'est-ce pas? Donc on suit tout simplement, c'est vraiment une descente harmonique extrêmement simple, hein, voilà. Donc en revanche, il y aura un renversement, j'allais dire, des harmonies, n'est-ce pas? Donc je vous montre l'harmonie telle qu'elle est de manière fondamentale. Ici, en l'occurrence, on commence avec le Ré, donc Ré mineur, tonal, le Ré, le Fa qui est la tierce mineure, et la quinte majeure avec le La. Donc ici, on la renverse, c'est-à-dire que on joue d'abord la quinte, ensuite la note tonale, et ensuite la tierce. Alors, vous pouvez soit plaquer, n'est-ce pas, comme ceci, n'est-ce pas, si c'est, vous voyez, pardon. Donc, j'ai envie de vous dire, ça va être en fonction. Ou alors, vous pouvez également apposer ce que je vous ai proposé. Alors, de quoi s'agit-il? On va déterminer au départ que, imaginons, comme nous sommes sur une harmonie d'un un triton à trois tons, à trois notes, n'est-ce pas? 1, 2, 3. On va donner un numéro, j'allais dire, un autre 3 notes. 1, 2, 3. Donc on fait 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2. N'est-ce pas? Donc vous pouvez suivre aussi, ensuite vous suivez avec la basse. Pam, 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 pam. 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, voilà, jusqu'au bout. Ou alors, ben, si c'est trop difficile, ou alors vous pouvez tout simplement faire ceci, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est très simple, hein. N'est-ce pas? Voilà. Donc vous aurez le choix. Mais là, pour vous montrer, somme toute, les harmonies, on va tout plaquer. D'accord? Donc, et vous verrez dans le guide l'ensemble. Hein. Je vous l'ai montré comme ça. Donc ici, donc on commence par un Ré mineur. Donc à la main gauche, je vous montre l'harmonie
j'allais dire fondamentale. Et ici, nous avons le renversé. Donc la quinte, donc Ré mineur. Ensuite, on descend sur Do majeur. On glisse tout simplement. Voilà. Vous voyez, la quinte d'abord. Comme ça, je vous la montre, un renversé. Ensuite, la tonale. Ensuite, la tierce, n'est-ce pas? Do majeur, tonale, tierce, majeur, quinte majeur, n'est-ce pas? Ensuite, on monte sur Si bémol, renversé. Tonale du Si bémol, tierce majeur, quinte majeur. Eh bien, on joue la quinte, on joue la tonale et on joue la tierce, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons La mineur, renversé, bien entendu. Donc, tonale du La, tierce mineur, la quinte, n'est-ce pas? Donc, ici, on joue Mi. On joue La et on joue Do, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons Sol mineur. Alors là, de la même manière, quinte, n'est-ce pas? Tonale, tierce, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons Fa. Même principe, hein, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons la quinte, la tonale et la tierce, n'est-ce pas? Mi mineur. Toujours la même chose, vous voyez, tonale, tierce, quinte, quinte d'abord, ensuite tonale, ensuite tierce, et résolution, ré mineur, tonale, tierce mineur, quinte, ré, fa, la. Donc je vous la montre, j'allais dire au ralenti, tout doucement, voilà, 1, 2, 3, si bémol, 4, la mineur, 5, sol mineur, 6, Fa, 7, Mi mineur, jouez là pour, vous pouvez, Ré mineur, n'est-ce pas? Si vous avez la possibilité, bien sûr, de faire des arpèges, vous en faites, bien entendu. J'ai fait peu de fioritures, mais je vous en ai montré un petit peu quand même, pour orner la chanson, bien entendu. Mais sinon, c'est tout à fait valide, voilà, vous pouvez commencer par ici. Et là, boum, on commence la chanson. Alors, je vous montre où est la mélodie. L'ordinaire, c'est pareil. Dans le guide, normalement, l'esprit même du piano-voix, on fait la basse à la main gauche, l'harmonie à la main droite, et c'est le chant qui fait la mélodie. Normalement, en temps normal, on joue très peu la mélodie. Hein. Mais là, pour vous aider, parce que ce sont tout de même des chansons difficiles, donc y compris même dans le guide, de temps en temps, quand les mélodies, pour vous aider à vous guider, mais sinon, en temps normal, je n'aurais pas joué du tout de mélodie, hein, bien entendu. Hein. Donc, je vous montre. There's no shilling yet, I shiver. Donc, d'accord. There's no shilling yet, I shiver. N'est-ce pas? Donc, on est pleine fleur, harmonie. Donc, Ré mineur renversé. Donc, la quinte, vous connaissez maintenant. Hein, puisque ça, on va retrouver dans l'introduction. N'est-ce pas? Tonale, tierce, quinte, la tierce mineure. Donc ici, on joue La, on joue Ré, on joue Fa, n'est-ce pas? There's no chill and yet. Sur yet, on descend sur le Do dièse, n'est-ce pas? Et on garde la quinte et on garde la tierce du Ré mineur, n'est-ce pas? Alors qui en vérité, entre guillemets, sur le Ré mineur, sur la gamme de Ré, c'est la majeure septième, n'est-ce pas? Même y compris en mode mineur, mais bon, entre guillemets, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, vous descendez sur Do dièse, n'est-ce pas? Et vous accompagnez bien entendu avec la main gauche. Donc, there's no chillin' yet I shiver. There's no chillin' yet I shiver. D'accord? Ensuite, le Fa renversé avec Do. Vous voyez, 1, 2, 3, tout simplement la descente. Hein. Donc, le Fa renversé tonal du Fa, tierce majeure avec le La. Et la quinte majeure avec le Do, n'est-ce pas? Ici, j'attrape la tonale, on garde tierce, on garde quinte, c'est un Fa renversé. Voilà. Les renversements, c'est quelque chose de très courant, très en usage, hein, bien entendu, on utilise beaucoup. Hein. Ça permet de donner plus aigu, de rapprocher les notes, enfin, c'est très pianistique. Voilà. Donc, je reprends. There's no chillin' yet I shiver. There's no flame and yet I burn, yet I burn, d'accord? And yet I burn. Alors, ici on va jouer Si mineur, donc gamme de Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc tonal, tierce majeure, tierce mineure, quinte majeure, quinte diminuée. Donc si mineur, 7, quinte diminuée, et la septième. N'est-ce pas? Donc si, ré, fa et la. Donc je vous reprends la ligne tranquillement. There's no chillin', yet I shiver. There's no flaming, yet I burn. D'accord? Ensuite, si bémol majeur 7. Alors on va le poser tranquillement. Gamme de si bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Important de connaître ces gammes, d'apprendre ces gammes, voyez-vous, parce que on en a tout le temps besoin, hein, depuis tout petit. Hein. Alors, la tonale, bien sûr, du si bémol, la tierce majeure, la quinte majeure et la majeure septième. Alors, je vous précise que je le dis souvent dans tous mes... Si vous regardez, vous êtes un déshabitué de mes tutoriels, je le dis sans cesse, mais la pédagogie ou l'andragogie, c'est répéter toujours la même chose sans se lasser. Et c'est ce que je fais avec grand plaisir. Majeur septième est toujours un demi-ton en dessous de la note tonale. Là, en l'occurrence, si bémol, eh bien, la majeure septième est un demi-ton. Et la septième est un demi-ton en dessous de la majeure septième. Donc, septième, et c'est la majeure septième qui nous intéresse. Donc tonale, tierce majeure, quinte majeure, majeure septième. C'est ça? Donc si bémol, ré, fa et la. Donc je reprends la ligne pour que vous ne soyez pas perdu. There's no chillin', yet I shiver. There's no flamin', yet I burn. Alors là, vous pouvez juste doubler la basse comme ça. Yet I shiver. D'accord? Yet I burn. Ou alors vous restez tout simplement et vous chantez là, hein, n'est-ce pas? Yet I burn. Ou alors vous jouez l'harmonie pure, hein, n'est-ce pas? Yet I burn. Yet I burn. Ensuite, vous apposez si bémol majeur septième, d'accord? Alors là, regardez bien. La mélodie est dans l'harmonie. I'm not sure what I'm afraid of. Sol mineur. Donc là sur si bémol majeur. I'm not sure what. Alors sur le what. Sol mineur septième. Donc tonal, tierce mineure avec le si bémol, la quinte et la septième. Je reprends. I'm not sure what I'm afraid of. And... Et là, on va utiliser le mi bémol renversé. Yeah. C'est sur la quinte. Gamme de mi bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce majeure, quinte. La note est sur la quinte majeure. C'est-à-dire si bémol. Yeah, I'm I'm trembling. On va regarder les harmonies, d'accord? Donc je reprends. I'm not sure what. C'est la sol mineur septième. I'm afraid of him. D'accord? Vous descendez. Ba, 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 ba. Et là. Yeah. Vous voyez? Yeah. I'm. Vous pouvez plaquer l'harmonie, renverser, hein? Vous voyez, regardez, on fait mi bémol, je vous fais mi bémol, on renverse la tonale, n'est-ce pas? Et la tierce, voilà, c'est comme ça qu'on doit l'utiliser, hein? Le mi bémol renversé, tout ça c'est mi bémol renversé, n'est-ce pas? Je reprends. I'm not sure what I'm afraid of and... I'm trembling. Alors, gamme de la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, quarte. 1, 2, 3, n'est-ce pas? 4, 5. Donc là, on va faire sonner la quarte et la quinte. Michel Legrand, il a mille procédés, mais ça, il l'utilise comme avec les modes majeurs, mineurs, et ça, il l'utilise beaucoup. D'accord? I'm trembling, trembling. Voilà. Et vous pouvez mettre la septième. Donc je reprends. I'm not sure what I'm afraid of. And yeah,
et voum, deuxième couplet. There's no storm, la même chose, ré mineur renversé. There's no storm, yet I hear thunder. Et là, toujours la même chose, fa, on joue fa. Ça, ça vous permet de vous positionner sur l'harmonie. Fa renversé avec do, n'est-ce pas? Et là, la mélodie est là. And I'm breathless. Donc do, ré, mi, fa. And I'm breathless. I. Un si mineur, 7 quinte diminué. D'accord? I. D'accord? Why, pardon, c'est pas I, c'est why I wonder. Je lève un peu les yeux de temps en temps. Why I wonder. D'accord, donc si, do, si, la. Je reprends tout doucement, d'accord. There's no storm, yet I thunder. Et là, and I'm breathless, d'accord. Why, ça va vous aider. Vous pouvez le jouer renversé ou why I wonder, d'accord. Alors, si vous, une fois que vous aurez compris les notes, vous faites ça. Hein. Bam, 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 bam. Vous faites donc. I'm breathless, and I'm breathless. Why I wonder. N'est-ce pas, vous pouvez faire why I wonder. Oh, come. Vous voyez, j'ai dit, vous pouvez vous affranchir de la mélodie, des notes jouées, la mélodie, n'est-ce pas? Donc. There's no storm, yet I hear thunder. Donc, and I'm breathless, why I wonder. Et là, weak one. Alors pareil, on est sur un la mineur renversé, n'est-ce pas? Donc, on joue la quinte, la tonale et la tierce en haut, n'est-ce pas? Donc ici, donc weak one moment, d'accord? Et là vous allez, on va jouer le mi quarte, donc un gamme de mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5 avec la septième, d'accord. Then the next time, fine, sur la tierce du la, la tierce majeure, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, donc c'est do dièse, d'accord. Ouais, mais une fois qu'elle chantait, c'est somptueux. Hein. Alors, donc je reprends donc, au moment délicat. And I'm, donc là où on en était au renversé, voilà. And I'm, and I'm breathless. Why? Si mineur 7 quinte diminué. Why I wonder. Et là, la mineur. We, weak one moment. Then. Donc mi, quart, quinte, sept. Then the next time, fine. D'accord? Là. Voilà. Et là, vous restez sur la base de là. I feel. Alors, gamme de ré. C'est l'harmonie de Michel Legrand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tonale, tierce majeure, sixième. N'est-ce pas? Alors. Sur le mi, I feel as if I'm falling every time I close my eyes. Donc ré mineur, quinte diminuée. N'est-ce pas? Voilà, avec la quinte diminuée. Et là, vous jouez, vous pouvez jouer. N'est-ce pas? Donc je reprends. Je sais que c'est pas facile, mais c'est tellement beau. Donc, I feel as if I'm falling every time. Oh, time. I close my eyes. I close my eyes. N'est-ce pas? Donc, vous pouvez jouer donc, sur la gamme de ré mineur 3, 4, 5, 6, la sixte, n'est-ce pas? Qui en vérité est un ré diminué. Mais bon, vous jouez ré, fa. Pas rentrer dans les détails harmoniques. C'est un tutoriel, il faut que j'avance dans le tutoriel quand même. D'accord, vous restez sur là. Donc vous diminuez la quinte et vous jouez si. D'accord, donc je reprends. I feel if I am falling every time I close my eyes. I close my eyes. D'accord.
and fully flowing. La carte, hein, vous bougez pas avec le la à gauche. Hein. And flowing through my body. Et là, on carte, vous résolvez pas avec la quinte. Là, on va résoudre avec le majeur septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, majeur septième. 8, vous vous souvenez, toujours un demi-ton, voilà, en dessous, la majeur septième. Donc je reprends. I feel as if I'm falling every time I close my eyes. C'est un passage où elle chante rapidement et la musique s'accélère, la cadence. Hein. Donc je reprends. I feel as if I'm falling every time I close my eyes and flowing through my body. La majeure septième, tonal, tierce, quinte, majeure septième is a river of surprise. Ré majeur septième, tonal, tierce, quinte, majeur septième. Alors là, ensuite, facile, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Feelings are awakening. Alors, on est sur un La bémol mineur, quinte diminuée. Donc, gamme de La bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tonal, tierce. On va d'abord regarder un accord très simple. L'accord très simple qui est La bémol septième, n'est-ce pas ? Donc, tonal, tierce majeure, quinte, septième. Là, on va voir la tierce mineure. On va descendre la quinte, donc il va nous rester La bémol, il va nous rester Si, il va nous rester Ré, et il va nous rester Fa dièse, n'est-ce pas ? Donc là, vous rentrez vos doigts à l'intérieur, n'est-ce pas ? Voilà, vous voyez ? Hop ! Pour frapper ces deux noires et ces deux blanches, n'est-ce pas ? Donc je reprends, de toute façon, moi je m'en lasse pas, c'est tellement beau. I feel as if I'm falling every time I close my eyes and flowing through my body is a river of surprise, feeling awakening. Alors là, évidemment, on tombe sur les harmonies. Pourtant, j'ai tout simplifié, mais compte tenu des changements de tonalité, il y a des difficultés que je ne peux pas éviter. Hein. Je suis désolé, mais... Donc là, on est sur Do dièse, quarte septième. Donc voyons la gamme de Do dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on va jouer la tonale, la quarte, la quinte et la septième. D'accord ? Et on va résoudre la quarte par la tierce. On appelle les quartes et les secondes en général suspendues. Suspendues à quoi ? Bien, une résolution soit par la tierce majeure ou la tierce mineure. N'est-ce pas ? Là, en l'occurrence, c'est la tierce majeure. N'est-ce pas ? Donc, on va jouer Do dièse, on va jouer Fa dièse, on va jouer Sol dièse et on va jouer Si. Qu'on va résoudre après sur le Fa, en gardant bien sûr Do dièse, Sol dièse et Si, n'est-ce pas ? Donc je reprends toujours, comme ça, ça vous fait un petit récapitulatif, puis moi j'adore ça, je le reconnais. I feel as if I'm falling every time I close my eyes and flowing through my body is a river of surprise. La bémol mineur, 7 quintes diminuées. Feelings are awakening, I hardly recognize. D'accord ? Hardly recognize. Donc Do dièse, quarte septième. Et Do dièse septième. D'accord ? As mine. La note, elle est là. As mine. Fa dièse mineur septième. Alors, gamme de Fa dièse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tonal, tierce, donc 1, 2, 3, 4, donc tierce, qu'est-ce que je raconte ? Oui, tierce mineure, voilà, la quinte et la septième, n'est-ce pas ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on joue la tonale, la tierce mineure, puisque c'est un Fa dièse mineur septième, n'est-ce pas ? Donc, la quinte, bien entendu, et la septième. Et ensuite, regardez bien, le procédé va être très simple. On va descendre d'un demi-ton. N'est-ce pas ? Ensuite, sur le mi, on va faire la majeure, tonale, tierce, quinte. N'est-ce pas ? Et on va résoudre avec Mi bémol à la main gauche. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on descend 1, 2, 3, 4 à la main gauche.
n'est-ce pas? C'est-à-dire fa dièse, fa, sol, mi bémol. Donc, et avec quoi? Et on résout donc sur le mi bémol à la main gauche, sur, regardez bien, gamme de dame de la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 3, 5, 7, 6. N'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va prendre la tonale, la tierce, la quinte, qu'on va diminuer. N'est-ce pas? Voilà. Donc, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, on ne la bouge pas. La tonale, on ne la bouge pas. N'est-ce pas? La tierce, on ne la bouge pas. Et la quinte, on l'a diminuée. 1, 2, 3, 4, 5. Diminuée. Donc, tonale, tierce majeure, quinte diminuée, sixième. N'est-ce pas? Alors. Donc, on le refait tout doucement, voilà. Feeling awakening, I only recognize as mine. Alors, fa dièse, mineur septième. Regardez la note. Fa septième. Donc, gamme de fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, majeur septième. Vous voyez, majeur septième, un demi-ton au-dessous du fa, la note tonale. Là, c'est la septième. Je reprends, j'insiste un petit peu parce que c'est très très beau. Comment se lasser d'une telle merveille, n'est-ce pas? Voilà, donc peut-être que je vous reprends ensemble le passage, n'est-ce pas? I feel as if I'm falling every time I close my eyes, and flowing through my body is a river. Ré majeur septième of surprise. Feeling la bémol mineur sept quinte diminuée. Awakening I hardly do dièse quarte septième recognize. Résolution quarte tierce majeure. As fa dièse mineur septième, fa septième, la avec mi à la main gauche, et là la six, la sixième, sixte avec quinte diminuée, moins cinq, d'accord? Alors évidemment si vous pouvez faire des arpèges c'est bien, mais vous pouvez rester là aussi, hein. C'est déjà assez difficile, hein. Et là, boum, regardez. On revient sur un autre couplet. What are all these new sensations? Bon, là vous avez compris, hein, c'est la même chose. Hein. What the secrets they reveal? Les paroles ont changé. Si mineur 7 moins 5. N'est-ce pas? Oui, si mineur 7 moins 5. Ensuite, la même chose. Si bémol majeur 7e. I'm not sure I. Alors là, une petite nouveauté. Sol septième, tonal, tierce majeure, quinte septième. I understand, donc ré, mi, fa, ré, but I. Regardez, dans l'harmonie du si bémol majeur septième, but I lie. D'accord? The fa, oui. La quarte, tonale, quarte, quinte, septième. Way I feel. Ré mineur. Que c'est beau. Que c'est beau. Donc, je reprends. Ré mineur renversé. D'accord avec fa dièse. Voilà. All these new sensations. What the secret they reveal. D'accord, they reveal. D'accord. Ensuite, I'm not sure, I, son I, sol septième, tonal tierce quinte sept, I understand, but I lie, the way, d'accord, la quarte c'est avec la septième, I feel. Vous restez là si vous
elle va vers l'arpège, voilà, tranquillement. Et alors là, maintenant, eh bien, on va avoir toute une partie, somme toute, chorus. Donc, de la même manière, on va voir, je vous les montre, normalement, je vous l'ai montré dans le guide. N'est-ce pas? Là, je vais vous les montrer seulement plaqués. Hein. Après, vous ferez comme vous pourrez. Hein. Voilà, selon votre capacité, bien entendu. Donc, on va prendre Ré mineur renversé. D'accord? Ensuite, avec Do dièse. Oui, parce que vous pouvez très bien le faire comme cela. Hein. N'est-ce pas? Vous voyez? Vous pouvez les plaquer, c'est très beau aussi. Hein. Je trouvais que ça vous faire une offre un petit peu plus supérieure, ça pourra peut-être voilà, vous tenter. Allons, voilà, sans être non plus extravagant, j'aurais pu faire bien pire, mais ça sert à rien. Je veux que vous y parveniez. Voilà. Donc je reprends la mineur. Donc ensuite avec Do dièse. Ensuite, regardez bien. Oui, bien sûr, avec le Fa renversé. D'accord. On joue donc La, Do, Fa, avec Do à la main gauche. Ensuite, on vient sur Si mineur, 7 quintes diminuées. Donc on joue le Si, on joue le Ré. En fait, on joue pas la septième. D'accord? On joue la tierce mineure et la quinte diminuée. Ensuite, Si bémol majeur, 7. On joue pas la majeure à la main gauche puisqu'on la joue à la basse. Mais on joue la tierce, la tonale et la majeure septième. Ensuite, on descend sur La. Ensuite, on descend sur Si bémol. Donc, le Si bémol, on va le renverser. Voilà. Donc, tonale, tierce, quinte. La tonale est ici, la tierce et la quinte. Voilà. Si bémol avec le La à la main gauche. Ensuite, Sol mineur. Il nous suffit simplement, septième, de descendre sur Sol mineur à main gauche. Et regardez. Voilà, on est sur un sol mineur, n'est-ce pas? Voilà. Donc d'abord le La, pardon, et d'abord ensuite le sol mineur. Donc je reprends. En fait, dès que ça va plus vite, c'est plus facile pour moi. Si mineur, 7 quintes diminuées. Si bémol majeur 7. Ensuite, voilà. Si bémol, pardon, voilà, avec La. Ensuite, oui, je m'étais trompé, voilà, j'avais inversé, pardon. Là, on est sur sol mineur, voilà. Ou peut-être pas, je ne sais plus ce que j'ai fait. Enfin bref, tonale, tierce mineure, quinte, le sol, bien entendu, avec la tierce, et la quinte et la tierce, n'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, avec le Fa, on revient. On revient sur le Fa avec si, qui en vérité qui est un Si bémol majeur septième, d'accord, avec Ré, Fa et La. Et là, Mi bémol, tonale, tierce, quinte. Résolution, la carte renversée, c'est-à-dire que la tonale, je la joue en haut, je joue la carte, la quinte. Résolution avec le La. Tierce majeure. D'accord? Et voilà. Ensuite, on repart. Ré mineur Do dièse, Fa avec Do, Si mineur, quinte diminuée. Ensuite, on joue Mi à la main gauche et on joue La mineur. On joue Si mineur 7, tonale, tierce mineure, quinte et la septième. Résolution avec La. Donc je reviens doucement. Hein. Ré mineur avec Ré mineur renversé. Avec Do dièse. Ensuite avec Do. Si mineur 7 quintes diminuées. Si bémol majeur 7. Si bémol La. N'est-ce pas? Sol mineur 7. Oui. Pardon, voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Pépa, 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 pépa.
Ah oui, on peut rester là, voilà, bien sûr, oui. Sol mineur septième, voilà. Donc, pa, 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 pa. Vous montez simplement, en fait, sur le si bémol. Voilà. Effectivement, voilà. Donc, nous en étions à sol mineur septième. Donc, si bémol majeur 7 avec fa. Donc, ré, fa, la. Ensuite, on monte sur mi bémol. Résolution, la quarte avec la quinte. N'est-ce pas? En septième. Ensuite, allez, boum, Ré mineur avec Do dièse. Fa renversé avec Do. Si mineur 7, quinte diminuée. La mineur avec Mi. Mi, Si mineur 7. Donc tonale, tierce, quinte, 7 avec Mi. Là, bien sûr, et alors là on monte la gamme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et sur 12. 1, 2, 3. Ou alors, si c'est trop difficile, 1, 2, 3. Donc, 1, regardez la gamme de là. Donc, c'est Sol, La, Ré dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La et Si. Et ça recommence, hein. Et là sur le mi, évidemment, vous en doutez, on va refaire la même chose. Oh, donc là, je vous redonne la solution finalement pour lorsque nous en étions à la fin du chorus. Voilà. Donc là, vous terminez sur la. Si vous ne pouvez pas faire la gamme, c'est un peu trop difficile. Eh bien, de là, vous arrivez directement pour vous aider pour le chant. Oh, why? Vous restez sur le là. Oh, why that every time I close my eyes is there? La même chose, d'accord? Donc, ré sixième, ré mineur quinte diminuée, avec le si, d'accord? The water shining on his king, la majeure septième, the sunlight in his hair. Donc, je reprends. That every time I close my eyes there, the water shining on his skin, the sunlight in his hair. D'accord? Et nous, ce que c'est beau, la bémol mineur, quinte diminuée. Donc là, vous connaissez, hein? Voilà, c'est la même chose. Hein? And all the while I'm singing things that I can never share. Donc là, c'est toujours, c'est Do dièse, quarte septième, hein, résolution avec la tierce majeure. Hein. Fa dièse mineur septième, d'accord? Résolution avec la 6 quinte diminuée. La 6 quinte diminuée, tierce majeure, tonale. D'accord? Donc je vous reprends peut-être. Every time I close my eyes, it's there. The water shining on his skin, the sunlight in his hair. And all the while I'm thinking things that I can never share with him. Fa septième, là la main droite, mi à gauche, la six quinte diminuée. Et là, boum, dernier couplet. I'm a bundle of confusion. Ré mineur avec Do dièse. D'accord? Ensuite, Fa renversé, toujours avec Do. Yet it has a strange appeal. Pardon, Si mineur 7. Oui, pardon. Faut que je monte les choses. Si mineur 7, quinte diminuée. Bien sûr, hein, qu'on connaît. Si, Ré, Fa, La. Et là, on en fait un coup. Si bémol majeur 7. Don't begin. Vous vous souvenez du procédé, hein? Donc, si bémol majeur 7, don't begin. Sol septième, d'accord? Dans l'harmonie quinte majeur septième, quinte tierce, and the way.
la septième du la quarte quinte à la quarte quinte septième. Make me feel. Pardon, ré mineur. Péroraison, la fin. I like ré, deux fois ré. I like. Et là, vous venez frapper si bémol majeur 7. Si bémol, hein, avec la tierce mineure. Bah, c'est ré mineur avec un si bémol. Hein. Donc, I like the way he. Donc, mi, ré, mi, fa. The way he. La septième, tonal, tierce, quinte, septième, make me, sur le la, sur le ré, d'accord. Et moi je vous propose de terminer comme cela, c'est-à-dire avec le, sur la gamme de ré, 1, 3, 4, 5, 6, majeur septième, octave, avec le ré mineur, la majeur septième, et avec la tierce mineure. C'est joli, hein? Voilà. Donc, je vous reprends peut-être, nonobstant le fait que ce soit très long, tant pis. Oh! Non, peut-être pas jusque-là, parce que, voilà, ça va faire très long. Hein. Donc, I'm a bundle of confusion, yet it has a strange appeal. Did all begin? I like the way he makes me feel. Et voilà. Oh là, c'est très très long. Il faut que je vous quitte. J'espère que vous prenez, voilà, vous êtes très heureux de pouvoir faire cette chanson autant que je le suis. Car n'hésitez pas à explorer ma chaîne, vous en trouverez une foultitude de merveilleuses chansons du l'extraordinaire Michel Legrand, parce que tout ça c'est divin, c'est merveilleux, c'est très très beau. Et il y a plusieurs chansons de Yentl, hein, voilà, je le précise au passage. Donc soyez curieux, explorez toute ma chaîne, vous n'y trouverez que du bonheur. Si vous aimez cela, eh bien vous y trouverez votre compte. Merci à tout bientôt en tout cas. Et puis, merci de votre attention, voilà, et de votre fidélité. Au revoir, merci.